Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Philippe Astor, je suis journaliste. Je remercie le CNM de m'avoir invité à animer et modérer les trois tables rondes de cette journée. On va commencer par un sujet effectivement qui est essentiel, c'est la question du soutien, de l'accompagnement et du financement de l'innovation dans la filière musicale. Alors je me rappelle qu'on avait eu, notamment avec Elisabeth Le Hot du ministère de la Culture, une conférence sur le sujet il y a peut-être 2-3 ans. Et il n'y avait pas véritablement de stratégie établie, hein, ministérielle, à cette époque dans ce domaine. Donc là, je dirais que c'est un sujet doublement d'actualité. D'une part, parce qu'effectivement, on est à l'intersection. On aborde une nouvelle transition dans les innovations technologiques qui tiennent au développement de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de l'intelligence artificielle, du métavers, des technologies de blockchain, de ce qu'on appelle les NFT, etc. Donc tout ça, ça va bouleverser de fond en comble le milieu de la musique dans les 5, 10 ou 15 ans à venir. Et puis c'est une question d'actualité aussi dans la mesure où depuis début avril, je crois, a été acté un plan d'investissement d'avenir dans la filière musicale pour ce qui est de favoriser l'innovation technologique. Et donc c'est un plan, on va parler d'appel à projet, on a déjà évoqué des appels à manifestation d'intérêt, des concours, des appels à projet, etc. Donc tout ça c'est piloté par le ministère de la Culture. Elisabeth Hoth, vous allez nous présenter un petit peu quel est ce cadre et cette stratégie. Et puis on a ici présent sur le plateau chacun des représentants des organismes publics ou parapublics qui vont devenir les opérateurs de ces différents aspects du plan d'investissement d'avenir. Alors j'aurais tendance, on citera le nom des personnes qui vont intervenir à chacune de leurs interventions. J'aurais tendance à vous donner en priorité la parole, Elisabeth. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste exactement ce plan d'investissement d'avenir qui fait partie du plan de relance du gouvernement, hein, je le précise. Et donc, quels sont ces différents aspects, ces différents axes et le rôle que vont jouer les différents organismes présents ici aujourd'hui? Tout à fait. Ça fonctionne. Merci beaucoup, Philippe. C'est effectivement l'enjeu de présenter et de rendre lisibles toutes ces initiatives pour l'innovation. J'ai été frappée dans les propos de Madame la directrice régionale, du directeur du MO et de Romain. Vous avez tous utilisé le terme « décloisonner ». C'est ce que nous essayons de faire au niveau du gouvernement. Il y a une volonté de décloisonner et de rendre cohérent toutes les initiatives avec tous ces acronymes dont vous entendez parler depuis quelques années autour de l'innovation, ici dans la musique, mais plus généralement dans tous les secteurs économiques. Donc, peut-être pour revenir un pas en arrière et rapidement, on peut rappeler qu'en mai 2019, le président de la République a indiqué qu'il voulait décloisonner, on y revient, le secteur des industries culturelles et créatives. Le secteur des industries culturelles et créatives, c'est en réalité tous les secteurs suivis par le ministère de la Culture. Ça va de la musique à l'audiovisuel, la presse, le spectacle vivant, l'architecture, le patrimoine. Tous ces secteurs-là ont des défis communs ont besoin d'un soutien transversal. Donc en mai 2019, le président indique « je voudrais décloisonner ma politique et je voudrais que nous réalisions ensemble un diagnostic des forces et des faiblesses, des opportunités et des menaces qui concernent tous ces secteurs culturels ». Le ministère de la Culture, dans toutes ses composantes, le rappelait Madame la directrice régionale, y compris avec ses grands établissements publics, a réfléchi, auditionné, consulté les acteurs. On a fait des consultations dématérialisées, des auditions. Jusqu'à 700 acteurs professionnels ont été auditionnés pour aboutir à une stratégie qui décrit les défis communs et les moyens d'y répondre.
Les défis communs, c'est rapidement un déficit d'accès au financement bancaire de tous les secteurs culturels, y compris la musique. C'est un actif de formation qui n'est pas adapté aux nouveaux métiers, qui reste très centré sur la création artistique et moins ouvert aux nouvelles compétences et aux nouveaux métiers. C'est l'arrivée de grands intermédiaires numériques qui captent la valeur, qui jouent le rôle d'intermédiaire, qui captent les données, qui les monopolisent. C'est aussi, évidemment, le développement durable avec tous les enjeux que peut soulever le principe de sobriété numérique. C'est faisons de l'innovation, mais en même temps, préservons le développement durable. Donc tous ces enjeux-là, y compris l'international aussi, l'export comme relais de croissance, comment faire en sorte de répondre de façon coordonnée et lisible à ces enjeux-là? La réponse a été la stratégie d'accélération pour l'innovation dont Madame la directrice régionale a parlé, à laquelle vous venez de faire référence. 400 millions d'euros, 30 mesures qui concernent la musique, mais pas que, tous les secteurs des ICC, et qu'on décline au fur et à mesure sur 5 ans en rédigeant et en publiant des appels à projets, des appels à manifestations d'intérêt, dont certains sont plus centrés sur la musique et d'autres sont plus transversaux. Par exemple, nous avons un appel à projet sur l'expérience augmentée du spectacle vivant. On voit remonter beaucoup de projets du secteur de la musique dans ce cadre. Donc nous allons déployer cette stratégie sur 5 ans avec l'équipe de France qui est autour de cette table, l'équipe de France de la stratégie d'accélération pour l'innovation. Donc, nos partenaires BPI France, la Caisse des dépôts et l'IFSIC, et avec nos grands établissements, notamment évidemment le CNM. En octobre 2021, le président de la République a annoncé France 2030. France 2030, c'est 30 milliards de plus sur la table pour faire passer, permettre à notre pays de répondre aux grands enjeux stratégiques du 21e siècle. Le PIA, dont on a parlé tout à l'heure, c'était 20 milliards. À la fin, ça fait une enveloppe de 50 milliards. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'une enveloppe de 600 millions d'euros supplémentaires par rapport aux 400 millions dont on parlait tout à l'heure est dédiée à la culture. Donc, si le compte est bon, on en est à 1 milliard d'euros pour la culture. Je crois qu'il faut s'en réjouir, en plus de toutes les politiques sectorielles. Sur ce 1 milliard d'euros, il y a une enveloppe côté cinéma, audiovisuel, jeux vidéo pour les studios de tournage de demain, et une enveloppe dont on parlera certainement plus tard, qui a été évoquée par Monsieur Astor, sur les contenus immersifs. C'est-à-dire, comment fait-on en sorte que on ne perde pas cette fois la bataille des plateformes, la bataille de la diffusion, pour se recentrer sur la bataille des contenus? Le métavers arrive, c'est un enjeu civilisationnel. Les métavers ne sont pas stabilisés, mais on voit l'arrivée à maturité de toutes ces technologies et de ces réseaux 5G, cloud, imagerie, 3D, qui vont permettre l'arrivée d'un métavers. Comment faire en sorte que nos contenus culturels soient présents dans cet environnement-là et avec nos conditions et nos valeurs? Et je pense qu'on pourra y revenir. D'accord. Merci. Alors, Romain Lalleix, en tant que directeur général délégué du CNM, donc le CNM, comme vous l'avez dit, a vocation justement à établir ce dialogue entre, d'une part, l'univers de la musique et d'autre part, l'univers des nouvelles technologies. Il faut dire qu'il y a 20 ans en arrière, il n'y avait pas du tout de dialogue. C'était deux univers qui se regardaient en chien de faïence et il n'y avait pas du tout de collaboration entre les deux. Aujourd'hui, il y a une sorte de relation, je dirais, très, très... très proche entre ces deux univers. Et le CNM s'est déjà, je dirais, déjà travaillé sur le défrichage un petit peu de ce que peuvent donner ces relations. Notamment, vous avez créé le CNM Labs, qui fait de la veille sur toutes les innovations qu'il y a dans ce domaine. Et vous avez lancé une aide aussi,
Vous avez créé un programme d'aide à l'innovation, donc peut-être pourriez-vous nous dire un mot sur qui sont les bénéficiaires, qui sont les cibles de ce programme d'aide. S'il y a déjà, je crois qu'il y a déjà eu une commission, s'il y a déjà des entreprises qui ont été éligibles. Et puis, plus globalement, comment se positionne le CNM dans ce plan d'investissement d'avenir, et puis quelle va être son action et son accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot, s'il vous plaît ? Bien sûr, avec plaisir. Donc, comme Elisabeth le disait tout à l'heure, il y a une équipe de France qui se fédère, qui se réunit autour de cet objectif commun. Et à notre échelle, avec nos moyens, on tâche de contribuer effectivement au développement et au renforcement de cette innovation dans le champ musical. Alors, nous le faisons effectivement à travers une stratégie globale qui d'abord s'appuie sur ce qui a été fait avant la création de l'établissement. Et je tiens à rappeler que la Direction générale des médias et des industries culturelles, avant la création du CNM, opérait depuis plusieurs années un fonds de soutien à la transition numérique et à l'innovation dans le champ de la musique enregistrée, qui était doté de 2 millions d'euros et qui a joué un rôle absolument décisif dans la transition, la transformation de l'activité d'un certain nombre d'entreprises dans le champ de la musique enregistrée. Après la création du CNM, la DGMIC nous a transféré ce programme et plus largement, le ministère de la Culture nous a demandé d'en renforcer la portée et bien sûr d'élargir ce dispositif à tous les professionnels de la musique. Donc nous l'avons fait et nous avons, grâce à l'engagement du ministère et notamment grâce au crédit du plan de relance, nous avons pu doubler les moyens que l'établissement consacrait à l'innovation avec deux programmes. Un programme de transition numérique qui poursuit cet objectif d'accompagnement des opérateurs dans une logique de transition vers le numérique et qui est doté de 2 millions d'euros. Et nous avons créé un programme un peu plus radicalement tourné vers des innovations de rupture, innovations qui peuvent être technologiques, mais qui peuvent être également des innovations de services, d'usage. Et on a un peu deux approches différentes selon les programmes. Le premier est vraiment, j'allais dire, destiné aux entreprises traditionnelles de la musique et des variétés. Il est plafonné à 50 000 euros par entreprise et par aide. Le second est orienté vers tout type d'entreprise, tout type de projet qui, à travers l'innovation, contribue à créer de la valeur pour la filière musicale. Et donc, il peut bénéficier à des entreprises qui ne sont pas historiquement des entreprises du champ musical. Et là, pour le coup, les niveaux d'intervention sont supérieurs, puisqu'on est, on peut aider un projet jusqu'à 100 000 euros, on peut conventionner sur plusieurs années, et on met des moyens qui sont des moyens à l'échelle de l'établissement tout à fait conséquent. Donc on a ces programmes, ces dispositifs d'aide. On a eu effectivement une commission en 2021 qui a pu soutenir un peu moins de 30 projets pour un budget total d'1,5 million. Donc on a engagé des moyens à la hauteur des enjeux. Donc il y a, j'allais dire, ce socle qui est le dispositif de soutien. Et autour de ce dispositif de soutien et dans la continuité de ce dispositif de soutien, nous avons développé effectivement des services. Alors, Philippe faisait référence au CNM Lab, qui est une structure logée dans notre direction des études et de l'observation et qui a vocation à fédérer, là encore, principe de coalition, des chercheurs, des universitaires dans le champ de l'économie, du droit, de la sociologie, de la musicologie, pour essayer non pas d'imaginer ce que sera demain, parce que c'est une promesse un peu intenable, mais d'identifier les tendances, les sous-jacents de l'économie actuelle de la musique qui contribueront demain à faire évoluer cet écosystème. Donc il y a cette dimension prospective qui est importante. Nous avons publié un premier recueil de textes et de recherches avec notamment des papiers très intéressants sur l'intelligence artificielle et qui sont disponibles sur le site de l'établissement, je vous y renvoie. Et puis, au-delà de cette dimension prospective, nous mettons à disposition des professionnels de la musique et des variétés tout un tas de services de la formation professionnelle, mais aussi des services d'accompagnement, d'orientation
et de conseil. Et là, c'est une habile transition pour repasser la parole à mes collègues et à nos partenaires. Je tiens à le dire que, bien sûr, la BPI, la Caisse des dépôts et l'IFSI sont partenaires de cette journée, partenaires du prix de l'innovation que nous révélerons tout à l'heure. Nous essayons également d'orienter les professionnels vers les dispositifs. Elisabeth l'a très, très bien expliqué. Il y a des dispositifs très puissants qui existent en dehors de l'établissement, avec le PIA4, avec demain France 2030. Il faut que nous aidions les professionnels de la musique à comprendre cet écosystème, à se repérer dans ce maquis, alors qui a été simplifié, mais qui reste quand même un peu complexe. Et donc, il faut qu'on les aide à se saisir pleinement de ces dispositifs. Et c'est ce que nous faisons avec les partenaires réunis autour de la table. Alors, je donnerai la parole désormais à Maud Franca. Vous représentez la Caisse des dépôts et consignations. Vous êtes responsable à la Caisse des dépôts, plus particulièrement des investissements d'avenir. Vous avez des relations, vous avez déjà un historique de soutien à l'écosystème des start-up, y compris dans les industries culturelles, créatives et culturelles. Alors, quel va être le rôle de la Caisse des dépôts dans ce nouveau plan d'investissement d'avenir que pilote le ministère de la Culture, et quels sont les appels à manifestation d'intérêt, notamment, que vous avez déjà lancés? Bonjour à tous. Donc, Maud Franca, je suis ravie. Est-ce que ça marche mieux? Oui, ça marche. Bon. Bonjour à tous. Oui, alors la Caisse des dépôts, pour rappel, hein, c'est un partenaire du développement territorial et des collectivités locales principalement. On est un opérateur historique en fait des investissements d'avenir depuis 2010. On est fait plutôt sur toute la partie économie numérique, puisqu'on a aussi développé, on a été à l'initiative de la French Tech et du développement des startups avec BPI France. Donc dans cette grande aventure, et notamment avec aussi Olivier Cotinin, du MO, qui était très présent dans cette aventure. Et on a été aussi donc, un des opérateurs historiques dans le champ culturel des investissements d'avenir, où il y a eu des actions qui ont été menées depuis 2012, d'abord sur les enjeux de numérisation, parce que c'était important de numériser les actifs et de créer les actifs immatériels. Donc on a accompagné beaucoup d'institutions publiques culturelles, donc le Centre Pompidou, la Bibliothèque nationale de France, enfin un très grand nombre, et on a permis de numériser des centaines de milliers de collections et d'œuvres. Et ensuite, en 2017, c'est vrai que les enjeux étaient un peu différents, puisque là, on avait donc, c'était plus la numérisation les enjeux, mais c'était plutôt la valorisation de ces actifs dans l'économie. Et on a donc créé un fonds qui s'appelle l'AMI Culture Patrimoine et Numérique de 100 millions d'euros, qui va être poursuivi dans le cadre de la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives du PIA4, qui permet de créer des joint ventures, des rapprochements entre acteurs publics et privés, pour développer des sociétés de développement et permettre aux acteurs culturels de bénéficier de toutes les opportunités que peuvent proposer les nouvelles technologies dans la création de nouveaux marchés, dans l'émergence des nouvelles expériences. Et on en a quelques-uns, on a créé quelques belles boîtes dans la musique avec IRCAM Amplify, qui est la filiale de l'IRCAM, sur les enjeux du son immersif. On a créé aussi la Saline Royal Academy, qui est pour la musique classique, un acteur aussi qui est important. On a permis le développement de masterclass. Donc vous voyez où on a vraiment, là ce sont des projets d'investissement. Et puis on a maintenant, on est un des opérateurs historiques de la stratégie qu'a présenté Elisabeth avec BPI et avec l'IFSIC dans ce continuum de financement d'acteurs publics pour justement nous être plus sur les enjeux évidemment territoriaux, numériques. Et au-delà donc de l'aide qui va être pour nous, ce qui est important, c'est que on doit en effet, pour créer cette accélération du développement, soutenir tous les projets, agir sur différents leviers. Le levier qui est le développement des usages. Donc là, on a différents appels à projets qui permettent de développer les projets. On a notamment spectacle, expérience augmentée du spectacle vivant, où on a des projets dans la musique, et on vous invite à regarder cet appel à projet qui est intéressant parce que ça permet vraiment d'explorer hein, certaines innovations, certains usages. C'est vraiment fait pour ça, c'est vraiment de la subvention là, pour pouvoir aider à explorer un certain nombre d'innovations, avoir des moyens pour faire des projets ambitieux, parce que l'objectif c'est aussi de donner les moyens à ceux qui ont envie de faire des choses et des ambitions pour les faire, parce qu'on a besoin aujourd'hui
dans tout ce qui est émergent, d'avoir des modèles, d'avoir des références. Et donc, on accompagne, on peut avoir des projets aussi bien pour le streaming que pour la transformation digitale du secteur. Ce sont des projets qui sont jusqu'à des aides qui peuvent aller jusqu'à 2 millions d'euros. Donc, ça vous montre un peu l'ambition de ces projets-là. Et ça peut être des projets, on ne va pas financer, par exemple, on a eu des présentations de spectacles, on ne va jamais financer la création. En revanche, on finance des solutions. Mais ce qu'on a vraiment défendu dans ces appels à projets, ça c'est important, c'est des solutions avec des partenaires culturels, donc que ce soit avec une institution publique, avec des artistes. Ça c'est important parce que l'idée c'est qu'on s'est dit on ne veut pas la techno pour la techno. On veut vraiment, et ça c'est l'apport aussi du travail entre le ministère de la Culture et la Banque des Territoires, je trouvais qui est très fructueuse aussi sur cet appel à projet, c'est de se dire il faut que vraiment la technologie soit au service de la création artistique, de la médiation ou de la diffusion culturelle. Et donc, les technologies sont au service d'eux et ne sont pas du tout une fin en soi ou un moyen. Donc, on est vraiment dans cet objectif et c'est pour ça qu'on soutient ce type de projet. D'accord. Donc, on a vu qu'il y avait des programmes d'aide qui adressent spécifiquement des acteurs de la filière, des programmes d'aide qui adressent spécifiquement des porteurs de projets dans les territoires. Donc, il faut que ce soit lié quand même à un développement territorial, je suppose, dans les investissements auxquels vous procédez. Et là, on va avoir un aspect un peu plus... Alors, on est plus dans le domaine des startups avec BPI France. Romain Lalec, vous êtes en fait... Nicolas Lalec, vous êtes en fait responsable des ICC au sein de BPI France, donc aussi des investissements qui concernent la musique. On est plus dans le domaine du capital risque, alors, hein, effectivement, dans l'investissement en capital risque, dans des startups qui ont... aujourd'hui, je dirais des opportunités, comme le marché de la musique s'est mondialisé, qui sont des opportunités mondiales. Et on peut avoir des startups françaises qui décident d'attaquer directement le marché des NFT en Asie, par exemple. C'est tout à fait possible. Il y a un atelier cet après-midi qui est fait par une startup qui s'appelle Pianity. Je ne sais pas si vous avez participé à son tour de table récent, donc qui a levé des fonds auprès de fonds asiatiques et qui vraiment... je pense à un modèle qui intéresse vraiment, c'est peut-être le marché plus mûr en Asie de ce point de vue-là, et c'est peut-être pour ça. Donc vous avez une enveloppe sur l'ensemble des ICC, je crois, de 400 millions d'euros, je crois, dans un programme qui s'appelle French Touch. Il faudrait peut-être préciser quelle partie de cette allocation de fonds va aller à la musique et en quoi il consiste. C'est ce programme French Touch qui a un symbole, qui est un coq orange que vous portez déjà sur votre veste, vous êtes plusieurs à le porter. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler en détail? Quel est le schéma de ce programme? Merci Philippe. Alors, je vais présenter ça rapidement. Par rapport à ta question, il y a deux bonnes et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est sensiblement plus que 400 millions, que ça couvre plus que le capital risque et les startups. Donc, ça, c'est les deux bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en effet, j'aimerais bien, mais je ne suis pas Romain Lalec, mais personne n'est parfait. BPI France, en gros, donc BPI France, c'est la banque publique d'investissement et c'est un outil de politique publique en soutien des ministères et globalement de la politique économique pour faire en sorte que l'économie française et l'entrepreneuriat français se développent. Ça fait 2 ans qu'on a lancé une initiative dans le secteur des industries culturelles et créatives qui s'appelle en effet le plan French Touch, dont je pourrais vous parler pendant des heures, mais là, déjà, la glycémie commence à tomber et Nicolas attend le micro, donc je vais essayer d'être plus rapide que ça. Le plan French Touch, qu'est-ce que c'est? C'est un plan stratégique, c'est un continuum d'outils financiers et c'est un plan systémique. Le volet stratégique, c'est de dire que on s'adresse à tous les secteurs de la création. Elisabeth a défini le périmètre. On adresse les grands enjeux transversaux qui ont déjà été cités. Donc j'en remets une couche. La transformation digitale, l'impact, les enjeux de parité, d'inclusion et de diversité, le développement international, etc. Avec l'idée que ces grands enjeux transversaux percutent l'ensemble des secteurs culturels et créatifs, la musique, mais aussi le cinéma, mais aussi le jeu vidéo, mais aussi... le design, etc., etc. Et l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les start-up, mais aussi les PME, mais aussi les groupes plus importants,
Encore une fois, je pense que le message a déjà été passé, mais là aussi, j'y insiste, c'est un message de décloisonnement. Je pense que l'un des facteurs clés de succès, c'est de décloisonner les verticales sectorielles, de décloisonner le public et le privé, et de décloisonner les typologies d'acteurs. Donc en fait, un écosystème qui fonctionne bien, dans la musique, comme dans le secteur des industries culturelles de manière générale, c'est un écosystème où les start-up, les grands groupes, les entreprises de croissance fonctionnent ensemble. Donc ça, c'est la vision stratégique. Ensuite, c'est concrètement des outils de financement et d'investissement. Donc, en effet, bien sûr, il y a une partie investissement en fonds propres, mais ça fait partie d'un continuum global où on trouve des aides à l'innovation, du financement bancaire, de la garantie bancaire, de l'accompagnement des entreprises. Peut-être on y reviendra, mais ça, je pense que ça a été un sujet qui a été abordé. Je pense que pour avoir une politique de soutien de filières efficace, il faut à la fois des moyens financiers et des moyens extra-financiers. Parce que pour accomplir son destin entrepreneurial et réussir son projet, je pense qu'on a à la fois besoin d'argent, mais on a aussi besoin de formation, de mise en réseau, etc. Et les enjeux de formation ont été posés. C'est vrai que moi, un témoignage personnel, après mon école de commerce, j'ai fait une formation en cinéma où globalement, j'ai principalement appris qu'avant de tourner, il fallait enlever le cache de la caméra, ce qui n'était pas totalement suffisant. Donc sur la partie outils financiers, le dimensionnement global pour BPI France, c'est plutôt 1,5 milliard d'euros par an de financement. On peut faire un focus rapide donc sur l'investissement en fonds propres, donc il y a un élément qui est très complémentaire des actions qui ont été citées jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça fait partie du bouquet et l'investissement en fonds propres, ça consiste à différents stades de développement de l'entreprise, en capital amorçage, en capital risque, en capital développement, et aussi dans des enjeux de transmission ou d'introduction en bourse. On va y revenir, parce qu'en l'occurrence, dans la musique, on a deux bons exemples là-dessus, de prendre beaucoup de risques et de financer des perspectives de croissance importantes. Voilà, donc là, on peut citer les boîtes. C'est l'avantage, c'est qu'on n'est pas tenu au secret bancaire dans l'investissement en fonds propres. Donc typiquement, dans la musique, on a pu accompagner à la fois des startups qui apportent des solutions de disruption comme MatchTune ou comme Groover, mais on a aussi participé à l'introduction en bourse de Believe et on a aussi récemment participé à l'opération un peu technique, on y reviendra, je suis à votre disposition, je tiens un stand pour vous expliquer toutes les subtilités du SPAC et du DESPAC, mais en ce qui concerne Deezer, ce qui, là aussi, si on dézoome, adresse également un sujet important qui a été adressé, qui est le sujet des contenus, mais aussi de la diffusion. Et le dernier élément, tu l'as dit, c'est une dimension écosystémique, encore une fois, décloisonner, jouer collectivement. Le coq orange en est le symbole. Et c'est vrai à la fois à l'échelle économique, puisque, encore une fois, si on est là sur scène et si on parle d'équipe de France, c'est justement pour montrer que à l'échelle de l'équipe de France, on s'en fiche que Kylian Mbappé ait été formé à Caen, à Bondy, à Monaco ou ailleurs. On a tous le maillot bleu. Voilà, donc c'est l'idée. Là, on a tous le coq orange. C'est peut-être moins saillant qu'un beau maillot bleu de l'équipe de France, mais ça fait quand même le boulot. Voilà l'idée. D'accord. On reviendra peut-être. On reparlera de 10 heures. Donc, c'est une introduction en bourse accélérée via une fusion avec une SPAC. Donc, c'est pas de problème. Je fais une masterclass sur le despacking de 10 heures. De 13h à 16h30, je vous attends nombreux. La BPI a participé à l'augmentation de capital en amont de cette Absolument. On fait partie de ce qu'on appelle le pipe, c'est-à-dire d'une catégorie d'investisseurs qui accompagne les sponsors du SPAC pour permettre l'introduction en bourse de 10 heures. D'accord. Donc, juste une petite parenthèse pour signaler que quand même on a deux licornes françaises hein, dans les musiques. Absolument. Tech, hein, absolument. Qui sont donc Deezer qui va rentrer en bourse au mois de juin probablement et sinon Believe qui est rentré l'an dernier au mois de juin qui est quand même on va dire un nouveau modèle de maison de disques du 21e siècle totalement réinventé. Voilà et c'est une initiative, c'est une spécificité française d'avoir inventé ce nouveau modèle. Hein, Believe est particulier quand même comme entreprise dans le monde. Alors Nicolas Trichet, on parlait de garanties bancaires. Les garanties bancaires, c'est un petit peu le métier de l'IFSIC, hein, quelque part, puisque l'Institut de financement des cinémas et des industries créatives. Donc vous intervenez notamment dans la musique pour garantir des prêts. C'est très bien que les acteurs de la musique, ils ont des relations très difficiles avec leurs banquiers.
De manière générale, un bilan de label, ça ne convainc pas souvent les banquiers de lâcher du lest sur la trésorerie ou sur les prêts. Et l'IFSIC apporte des garanties, justement, traditionnellement, sur ces emprunts de structure de la filière musicale. Et justement, aujourd'hui, vous êtes doté de nouveaux fonds pour intervenir dans le soutien à l'innovation, plus particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous dire quel sera le rôle de l'IFSIC dans ce domaine ? Absolument. Alors écoutez, l'IFSIC, c'est donc un établissement de crédit, c'est une banque spécialisée dans le secteur culturel, qui est détenue à 49% par l'État et par BPI France, qui est missionnée par le ministère de la Culture pour favoriser l'accès au financement des entreprises culturelles, qui opère des fonds qui viennent notamment de la Caisse des dépôts et du CNM aussi. Donc voilà, on est liés là, par tous les doigts de la main possible. Effectivement, c'est un établissement de crédit, c'est une banque, donc on n'a que des solutions de crédit à l'IFSIC, garantie bancaire historiquement, et puis prêt direct qu'on a développé dans le secteur de la musique, à un moment où effectivement c'était difficile pour le secteur d'accéder au crédit bancaire, et même pour les boîtes qui étaient bien portantes, parce que c'était au milieu des années 2000, en pleine crise de la musique enregistrée. Donc c'est dans ce contexte qu'on a commencé à prêter directement aux entreprises, et donc on a développé cette activité-là dans la musique, et puis on l'a renforcée en 2011 pour justement accompagner les entreprises innovantes, les entreprises du numérique. Donc là, on a créé un dispositif de prêt participatif, voilà, qu'on a également débuté à ce moment-là par la musique, un moment où c'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas encore le streaming, c'était pas encore l'avènement du streaming comme business model du secteur. Et donc voilà, ça fait mine de rien plus d'une dizaine d'années maintenant qu'on opère des dispositifs de prêt participatif. Ça reste du crédit, mais c'est vraiment tout à fait adapté au financement d'innovation, parce qu'il y a des périodes de franchise de remboursement longues, des périodes de remboursement qui sont longues, etc. Donc c'est vraiment un outil qui est fait pour ça. Et on est heureux que ces moyens dédiés à l'innovation aient été récemment très fortement renforcés à l'IFSIC dans le cadre de la stratégie d'accélération. Et donc on a un fonds dédié qui a été créé fin 2019 et qui a été abondé en 2021. Donc on a des moyens maintenant conséquents pour accompagner en prêt participatif les entreprises innovantes, et en particulier dans le secteur de la musique. D'accord. Alors, qui sont justement les porteurs de projets que vous adressez spécifiquement ? Parce que typiquement, c'est des entreprises de la musique qui s'adressent à l'IFSIC. Donc, c'est des producteurs de spectacles ou des producteurs de musique enregistrée, etc. Est-ce qu'il y a de l'innovation qui est attendue dans le business model de ces acteurs traditionnels ? Est-ce que c'est en particulier ce type d'innovation que vous allez accompagner, ou alors des startups qui vont se mettre au service de la filière musicale ? Eh ben, c'est les deux. J'ai regardé un peu nos chiffres s'agissant des prêts directs de l'IFSIC depuis qu'on en fait dans le secteur de la musique. Il y en a à peu près 1 sur 5 qui est à destination d'une plateforme ou d'un éditeur de services de musique en ligne. Donc c'est déjà une part importante de notre activité historique. Et puis effectivement, il y a en plus on a financé en plus plein de démarches innovantes de labels et d'acteurs traditionnels qui se dotent d'outils digitaux, etc. Donc, je pense que l'accompagnement de l'innovation représente une bonne part de nos interventions. Et oui, c'est à la fois des acteurs classiques qui se dotent d'outils, et puis des acteurs plus de type plateforme pour vraiment développer des projets de pure innovation, on va dire. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut voir, on peut avoir une discussion un peu plus ouverte, ou n'hésitez pas à prendre la parole les uns les autres ensemble, sur la manière dont toutes ces aides, en fait, ces dispositifs d'aide vont s'articuler. C'est une logique globale, et comment ils s'articulent ? Est-ce que, par exemple, certains porteurs de projets peuvent avoir un parcours qui va passer par différents programmes d'aide qui sont opérés par différents acteurs Merci beaucoup. Une journée comme celle-ci a vocation à contribuer à rendre plus visibles et plus cohérentes toutes ces actions.
nous cherchons à mettre en place, c'est le terme que nous avons retenu, un continuum de financement et d'accompagnement. Normalement, si vous vous adressez à BPI, à la Caisse, à l'IFSIC ou au CNM, et que vous vous êtes pas très bien orienté, ou plutôt vous êtes allé vers votre interlocuteur premier, le plus familier, le plus direct. Si celui-ci n'a pas entre les mains l'outil qui vous convient, si vous avez besoin de fonds propres, mais l'acteur fait que du prêt, si vous avez besoin de subventions, mais vous adressez à quelqu'un qui fait plutôt du fonds propres, normalement toute cette équipe de France est censée vous réorienter ou réorienter les uns les autres. Ça vaut aussi pour le ministère. Je regarde la directrice régionale des affaires culturelles, parce que nous-mêmes, on doit se mettre en ordre de bataille pour orienter et rendre visible au mieux. Je pense qu'un portail, tout simplement, Internet, si on arrive à le construire, mais juste pour vous aider les uns les autres à comprendre qui fait de la subvention, dans quel secteur, qui peut vous offrir de l'accompagnement sectoriel dans la musique, c'est le CNM. Vous avez besoin de prêts participatifs, plutôt l'IFSIC, fonds propres, BPI, la Caisse, expertise territoriale, plutôt la Caisse. C'est une répartition qui n'est pas simple. Je crois, sous votre contrôle respectif, que vous faites des partages de deal flow. Tout ça pour dire que les grands financeurs autour de la table se réunissent, partagent les dossiers entre eux et se donnent des règles de conduite pour se répartir les dossiers au mieux. Donc c'est tout un enjeu. Moi, je suis tout à fait consciente qu'avec la multiplication des appels à projets et des AMI, ça peut être source de confusion. Ça traduit un dynamisme, ça traduit une vraie volonté d'accompagner le secteur. Parfois, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Donc dans la musique, on compte particulièrement sur le CNM pour rendre tout ça plus digeste, plus lisible. Et côté État, il faut aussi qu'on se mette en ordre de bataille de rendre tout ça plus lisible. Mais normalement, c'est conçu et cohérent. Romain. J'allais répondre que vous pouvez nous faire confiance, effectivement, et que cette mission d'information est vraiment au cœur de nos préoccupations, que nous avons veillé à construire ce parcours. Et donc, quand on est une structure, quelle que soit sa taille, quelle que soit son activité, on trouve au CNM, et en se rendant sur le site de l'établissement, en attendant la grande plateforme que Elisabeth appelle de ses voeux, qui sera en soi un projet plan d'investissement d'avenir PIA 15, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur le site de l'établissement, demander un rendez-vous, être accueilli, échanger par téléphone ou venir dans nos bureaux, et vous serez orienté, aiguillé vers les différents dispositifs existants. Je confirme également que nous partageons des informations entre nous, que nous sommes membres les uns les autres des comités d'experts, des commissions d'aide, et que donc, en quelque sorte, l'établissement a le sentiment de servir aussi de veille et permet à ses partenaires d'identifier des projets à haut potentiel. Donc on fait vraiment cette démarche-là de manière collective, en toute transparence, dans la limite. Il y a des règles, il y a des informations qui sont confidentielles et voilà, que chacun garde pour lui. Mais on fait vraiment ce boulot de transparence. Et je préciserai, on y reviendra tout à l'heure, qu'on a par ailleurs, du point de vue de l'établissement, un travail fin à faire pour peut-être embarquer certains secteurs, et j'y reviendrai, pour lesquels le champ de l'innovation n'est pas forcément un champ intuitif. Et je pense notamment, on y viendra, mais au spectacle vivant. Et là, on a une réponse un peu particulière, un peu adaptée à ces questions, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Je pense que les deux messages clés qu'on vient vous passer aujourd'hui, c'est un message d'ambition et un message de force collective et de transversalité. Donc ce qu'on vous dit là, on a essayé de se l'appliquer à nous-mêmes. Et donc tout a été dit. Je pense que déjà, si on commence à se demander comment on se retrouve dans tous ces dispositifs, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de moyens en face. Et encore une fois, oui, faites-nous confiance. Je pense que jamais on a autant travaillé ensemble et de manière aussi coordonnée. Et donc, voilà, encore une fois, on est, entre guillemets, pardon pour l'anglicisme, client-centrique, puisque notre enjeu, c'est que la filière et l'écosystème se développent, et donc vous individuellement. Donc ensuite, on fait notre affaire de faire en sorte que le parcours soit fluide. Après, on a tous, et vous l'aurez compris dans nos prises de parole, des sujets communs et des sujets de spécificité, que ce soit en termes d'outils, que ce soit en termes de thématiques, etc.
Après, je pense que voilà, il n'y a pas d'enjeu à avoir un jardin à la française parfaitement délimité où rien ne déborde, etc. Parce que ça, c'est voilà, la vie n'est pas pure et je pense que d'ailleurs ça ne serait pas efficace. Donc, pas forcément un jardin à la française totalement psychorigide, ni le guichet unique avec la grande porte en marbre, etc. Mais plutôt une logique d'écosystème et de coordination. D'accord, alors je vais poser une question à Maud Franca, parce que vous avez précisé justement que la Caisse des dépôts n'investit pas dans la création. C'est plutôt le rôle des DRAC d'ailleurs d'investir dans la création. Et oui, le CNC enfin, ou le CNM, oui, enfin, d'autres acteurs. Mais, je dirais que dans les territoires, il y a des besoins d'innovation. Par exemple, typiquement, je pense au spectacle vivant, dans un domaine comme le live streaming, par exemple, qui serait un besoin d'équipement des salles en moyen de captation et de diffusion. Effectivement. Donc, est-ce que typiquement, c'est le genre d'appel à manifestation d'intérêt que vous allez déjà suivre. dans expérience augmentée du spectacle vivant, hein, qui est aussi pour le secteur de la musique, vous pouvez, ça peut répondre à ce besoin-là, hein, aussi bien d'équipement de salle. Quand je dis qu'on finance pas la création, en effet, on peut financer des projets de spectacle, mais dans ce cas-là, c'est toujours une solution. Avec, comme je le disais, un projet de création artistique, de médiation, de diffusion culturelle. Et surtout, c'est toujours... nous, on va, les dépenses qui vont être éligibles, on va plutôt financer les équipements, etc. On ne va pas financer les dépenses artistiques. C'est ça ce que je voulais dire. Après, nous, ce qu'il faut, c'est que aussi les projets soient réplicables et que justement, comme je disais, on cherche vraiment... L'idée, c'est d'accélérer. On a une enveloppe de 10 millions d'euros avec des projets qui peuvent aller jusqu'à 2 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est pas non plus... c'est quand même assez sélectif. Mais l'ambition, l'idée, c'est aussi de créer un effet d'entraînement en fait, de la filière, de vraiment trouver les projets phares, que ce soit sur les équipements, que ce soit sur... qui vont vraiment créer un impact et un effet d'entraînement sur l'ensemble de la filière. Après, on a d'autres programmes côté Caisse des dépôts sur fonds propres, parce qu'on a aussi toutes les politiques territoriales, Action Cœur de Ville, qui sont pour la revitalisation des villes moyennes, les programmes aussi territoires d'industrie, où la culture peut jouer un rôle très très important, justement de développement territorial et de revitalisation des territoires. On est aussi sur ces enjeux. D'accord. Je sais, est-ce que par exemple les collectivités locales peuvent aussi contacter la Caisse des dépôts pour des développements qu'elles voudraient mener? Par exemple, s'ils veulent s'équiper ou quand il s'agit d'équipements qui appartiennent à la collectivité locale, justement, qui ne sont pas forcément éligibles à tout un tas de subventions par ailleurs. Ouais. Tout à fait. Alors, on va plutôt faire des projets. Il y a tout à fait possibilité à ce que les collectivités participent au financement des projets. C'est souvent porté quand même par des acteurs privés parce qu'on veut développer tout l'écosystème. Et ce qui est important, c'est aussi qu'on puisse avoir des solutions robustes sur le marché. Parce que derrière, comme je vous dis, même si on fait des subventions, nous, c'est toujours quand même dans la perspective qui est une pérennité, qui est de la création d'emplois derrière, qui est du développement d'usage. Donc, il faut évidemment qu'on soit sur des solutions robustes. Donc, on favorise en fait le partenariat public-privé et les solutions aussi... sont capables après de développer des solutions industrialisées sur le marché. D'accord. Philippe, je voulais simplement intervenir pour répondre à cette question parce que on a la faiblesse de croire au CNM que nous avons des outils et des moyens pour répondre à cet enjeu. Je le disais tout à l'heure, tous les secteurs n'ont pas la même histoire, n'ont pas le même rapport à l'innovation. On voit que dans le champ de la musique enregistrée, des métiers, de la gestion des droits, il y a eu une transformation il y a une dizaine d'années qui a propulsé tout le secteur dans ce champ-là. Du côté du spectacle vivant, la situation est assez différente, à tel point que quand l'établissement a été créé, le président de l'établissement avait inscrit à l'ordre du jour de nos études une étude sur l'expérience spectateur, considérant qu'au fond, cette question n'était pas suffisamment abordée, qu'il n'y avait pas suffisamment de remise en cause ou d'interrogation sur ce sujet. Alors, la crise a fait que cette étude a été quelque peu reportée. Nous l'avons publiée à l'occasion du printemps de Bourges et elle nous apporte plein d'enseignements et notamment le fait que les spectateurs considèrent que l'expérience du spectacle n'a pas assez évolué, qu'elle n'intègre pas assez les nouveaux outils, les réseaux sociaux, les nouvelles solutions.
Et c'est pour ça que nous avons souhaité créer, et nous l'avons fait dans le cadre du plan de relance, un dispositif spécifique, un fonds pluriannuel doté de 30 millions d'euros que nous allons, dont nous allons proposer aux collectivités d'être partenaires de ce fonds, de contribuer, et dont l'un des enjeux est d'accompagner les diffuseurs de spectacles, les salles de spectacle, les festivals qui auraient des équipements, dans ces investissements, dans ce renouvellement des équipements, des moyens de captation, dans l'intégration de nouveaux dispositifs qui nous apparaissent comme vraiment majeurs. Elisabeth, en parlant du métaverse tout à l'heure, disait c'est un nouveau combat. Il faut absolument que la France prenne sa part dans ce nouveau combat. On a un peu l'inquiétude du point de vue du spectacle que si ce secteur ne s'implique pas pleinement dans ces enjeux de l'innovation, eh bien c'est d'autres secteurs et puis des entreprises probablement émanant d'autres pays qui risquent de s'en emparer et finalement de vassaliser en quelque sorte les opérateurs du live. Donc on est pleinement engagé dans cette action et nous le faisons bien sûr en grande complicité avec nos partenaires et on a été ravis que l'appel à projet expérience augmentée du live soit l'un des premiers appels à projet culturels du pays A4. Ça nous est apparu comme un symbole très fort. D'accord. Alors, la question peut se poser aussi d'arriver à l'heure dans le domaine des technologies de blockchain notamment, qui sous-tendent pas mal d'innovations dans le financement de la création tout court. Alors, Nicolas Trichet parlait de financement participatif tout à l'heure. C'est vrai qu'on voit se développer des écosystèmes participatifs où les fans peuvent investir. Alors, ça passe par des NFT, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas encore très réglementées ni très stabilisées en termes de technologie, mais et participer finalement à toute la création de valeur de l'écosystème avec l'artiste, etc. Donc, il y a un levier d'aspect communautaire qui revient un petit peu dans la musique, alors qu'avec le streaming, on était un petit peu anonymiser hein, aussi bien les artistes que les fans dans notre consommation de musique et on a cet aspect communautaire qui revient. Et est-ce qu'il y a un pont qui va se faire entre ces nouveaux moyens de finances décentralisées, on va dire, et les moyens que met l'État, que mettent les pouvoirs publics dans le financement de l'innovation? Alors, c'est le sujet préféré de mon voisin de droite, donc je le laisserai s'exprimer. Mais merci beaucoup d'aborder ce sujet sous l'angle communauté. Je trouve que c'est du point de vue du ministère de la Culture, je pense qu'il faut chercher une finalité en termes de politique publique avant de parler NFT, blockchain, crypto-monnaie, métavers. C'est certainement un atout si on pense par exemple aux arts numériques. Dans le domaine des arts numériques, il n'y a pas tellement de façon d'exposer sa création ni de la monétiser. Et les NFT sont certainement un nouveau modèle extrêmement intéressant. Je sais que vous allez en parler dans la musique cet après-midi, mais dans d'autres secteurs culturels, je crois qu'il faut qu'on se demande d'abord comment animer notre communauté, quels objectifs de politique publique, de démocratisation, d'éducation, de cohésion on poursuit avant de se lancer à corps perdu dans ces technologies. Et d'ailleurs, on essaie actuellement, avec l'aide d'ailleurs de toutes les personnes autour de la table, de penser un plan pour les contenus culturels immersifs. Puisque le président de la République a une volonté très forte d'entrer dans cette histoire-là, dans l'histoire du métavers, de ne pas passer à côté. Et nous, on réfléchit collectivement aux réels enjeux pour nous. Il y a des enjeux de découvrabilité, de visibilité, mais je crois aussi aux enjeux éthiques, aux enjeux de politique publique. Je pense que c'est des sujets qu'on ne peut pas aborder sans se demander qu'est-ce que l'on apporte comme projet culturel et comme projet de société. Je voulais juste dire un mot avant de passer la parole à mon voisin qui connaît très très bien les sujets 3.0 et décentralisation. C'est bien, ça ne me met pas de pression. Merci Elisabeth. C'est une de mes blagues préférées, mais elle marche qu'en anglais. C'est « Can you perform under pressure ?»« No, but I can try Bohemian Rhapsody. » Pardon, c'est le monde de... Alors, deux choses. Je pense que sur le sujet, évidemment, Web 3, c'est bon. C'était compréhensible ma blague parce que si en plus, pardon, hein. Merci.
Évidemment, ce sont des sujets cruciaux. Je pense qu'il ne faut pas forcément... Il ne faut pas forcément mettre la technologie au cœur du dispositif. Je pense que la technologie est un outil au service d'un usage et d'une valeur d'expérience. C'était une excellente question à deux titres. Le premier titre, c'est que c'est en effet une tendance de fond du secteur musical qui est une tendance de décentralisation, de désintermédiation et globalement d'empowerment de l'artiste, de vision de la créateur économie, etc. Et voilà, étant actionnaire de Believe et de Deezer, c'est des sujets qu'on suit de près, parce que les modèles sont un peu challengés. C'est certain que des modèles qui raccourcissent la chaîne de valeur entre l'artiste et son public, y compris sur des publics avec des étiages et des tailles critiques qui n'ont rien à voir avec, avec l'océan des millions ou des dizaines de millions ou des centaines de millions d'abonnés aux plateformes de streaming, c'est un sujet absolument fondamental et que la blockchain, typiquement, est un outil au service de cette tendance. De la même manière que des NFTs, que ce soit une manière de valoriser des actifs numériques ou d'en faire un outil de financement. Comment nous on s'inscrit dans tout ça? Comme on peut. Je pense que la matière est encore extrêmement mouvante et magmatique. Et donc tout existe. C'est-à-dire que nous, typiquement, alors c'est pas dans le domaine de la musique, mais on est investisseur d'une des entreprises un peu emblématiques des NFTs dans le domaine du luxe et de la mode qui s'appelle Ariany. Donc c'est une boîte qui développe des NFTs avec une technologie blockchain et qui a levé des fonds dans un écosystème VC classique. Mais on sait très bien que si on pousse la logique du Web3 et de la blockchain jusqu'au bout, c'est aussi des financements décentralisés. C'est-à-dire que ce n'est pas que le financement qui se décentralise, c'est aussi la gouvernance, comme tu le sais, comme vous le savez. Donc, encore une fois, c'est une matière mouvante et je pense qu'il n'y aura pas de silos et de mondes totalement homogènes et sans lien et sans porosité entre le monde d'hier et un monde complètement décentralisé où les artistes lèveront des fonds à NFT et parleront à leurs 50 fans dans la blockchain en court-circuitant tout le système. Il y aura probablement des modèles hybrides. Et le sujet du métaverse, c'est pareil. Il y a des technologies sous-jacentes, notamment les technologies d'infrastructures qu'a cité Elisabeth. Il faut des réseaux, il faut du cloud, il faut de la 5G, il faut des technologies immersives, il faut des devices, il faut des casques, il faut des moteurs pour faire des contenus en réalité virtuelle, il faut des technos pour faire des expériences en réalité augmentée, etc. Encore une fois, je pense qu'une des bonnes questions à se poser dans tout ça, c'est quelle est la valeur d'expérience, quelle est la valeur d'utilité de tout ça. Et ça, c'est vrai, je pense que qu'on parle de NFTs ou de métavers, c'est une bonne question à se poser. Et juste un dernier point pour rebondir sur ce que disait Romain, peut-être que j'ai mal compris, mais il y avait peut-être un sous-texte un peu sur le fait que certains secteurs de la filière, et notamment dans le spectacle vivant, pouvaient avoir une forme, pas d'inhibition, mais peut-être d'inconfort avec notre propos d'aujourd'hui qui est un propos d'innovation. Je pense que l'innovation, il faut quand même l'appréhender de manière très polymorphe. L'innovation, elle est technologique, indéniablement, et dans la musique, peut-être même encore plus que dans d'autres verticales culturelles. Les enjeux de data, les enjeux de technologie immersive, les enjeux d'intelligence artificielle sont extrêmement impactants, mais il n'y a pas que l'innovation technologique. Les innovations d'usage, c'est très important aussi. Les innovations de modèle économique, c'est très important aussi. Et même, alors c'est quelque chose qu'on a déployé au sein de BPI France, qui est un peu spécifique, c'est l'innovation créative, c'est-à-dire qu'avoir une proposition de valeur différenciante qui s'appuie sur une stratégie de contenu, etc., c'est aussi une forme d'innovation. Donc, il n'y a pas qu'une innovation de technologie hard. Je pense que l'innovation, elle s'entend sous différents angles. Et typiquement, dans le spectacle vivant, de singulariser quelqu'un plutôt qu'un autre, mais un festival comme Wheel of Green, avec la proposition de valeur extraordinairement puissante qu'il a sur l'impact et sur le green, etc., pour moi, c'est aussi innovant qu'une entreprise qui développe une solution technologique. D'accord.
Oui. Et peut-être aussi, j'ai envie de dire, c'est vrai que ça paraît un peu vertigineux. Et je me dis, c'est vrai que tout ce qu'on se dit, blockchain, NFT, métaverse, les gens se disent comment on y va. Ça nous paraît un peu abscon et c'est très compliqué. Je pense que justement, ce qui est important, c'est ces appels à projets qu'on lance, parce que c'est une vraie opportunité pour vous d'y aller, d'explorer. C'est une vraie chance. Et justement, par rapport à des financements comme du capital, des fonds propres ou des quasi-fonds propres, on l'a sur du plus structurel, vous voyez, sur les choses plus long terme. Là, ça vous permet vraiment d'explorer des choses. Et surtout, ce qui est important, c'est justement, aujourd'hui, on a besoin aussi bien d'expertise technologique que d'expertise métier. Et donc, c'est évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, décloisonner, c'est toujours la même chose. Là, c'est aussi décloisonner. Et c'est pour ça que nous, on privilégie des projets où il va y avoir des consortiums d'acteurs avec des solutions, mais aussi, justement, un usage vraiment culturel, une association entre des acteurs de la culture, du métier de la culture et des artistes et des solutions technologiques. Ça, c'est important. Donc, ces appels à projets sont vraiment là pour ça, pour que vous preniez la chance de tester ces technologies. Et nous, on est là justement aussi, et c'est notre rôle, et c'est pour ça que c'est aussi important qu'on travaille bien ensemble, d'intelligence collective, de repérer pour vous les bons partenaires. Parce que justement, la blockchain, la NFT, il y a les bons et les mauvais. Hein. Et nous, on les voit tous. On les voit tous passer, on se les échange et on sait un petit peu à peu près maintenant savoir aussi quels sont les bons, quels sont les mauvais ou quels sont ceux qui sont un potentiel. Et on peut aussi aider, évidemment, vous aider en tout cas à trouver les bons partenaires et pour développer vos projets. Oui, je crois qu'il y a des réglementations au niveau européen qui vont tomber sur les NFT. Est-ce que c'est des actifs financiers ou pas, etc. Quand le sont-ils, quand ne le sont-ils pas, bon, qui vont clarifier un petit peu le terrain. Effectivement, des acteurs qui vont devoir avoir des licences pour opérer, donc ça va faire de la sélection et ça va un petit peu nettoyer un petit peu le je crois qu'il faut qu'on vienne à conclure. Donc, Romain, est-ce que tu veux dire un dernier mot pour un petit peu, sachant que cet après-midi, je le précise, il y a deux tables rondes qui vont explorer deux champs vraiment très larges d'innovation qui se sont ouverts avec les récentes technologies, notamment à l'intersection du big data et de l'intelligence artificielle, et puis de ce qu'on appelle la créateur économique, un nouveau concept qu'on éclairera un petit peu cet après-midi. Alors, lourde responsabilité que de conclure ce tour de table. Je crois que les propos des différentes personnes qui ont participé à cette table ronde ont vraiment cherché, comme le disait Nicolas, à vous apporter des démonstrations très concrètes de cette stratégie collective, des services, des contenus que nous déployons pour vous accompagner dans ces transitions et dans ces transformations. Je reprendrai les mots de Maud. Il y a des appels à projets, il y a des programmes d'aide, il y a des contenus. Saisissez-vous de toutes ces opportunités. Tout ne sera pas un succès. Il y aura forcément une part d'apprentissage, mais nous sommes là aussi pour vous accompagner dans ce chemin. Je disais tout à l'heure, l'important, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. Bah, dans ce champ d'innovation et dans toutes ses formes, comme le disait Nicolas, il faut s'engager dans cette quête, il faut s'engager dans ce chemin, et on est vraiment là, tous, autant que nous sommes, à votre disposition pour vous aider à y arriver. Donc voilà. Et je crois qu'il y a déjà pas mal de questions dans la salle, donc je rends surtout la parole à la salle. D'accord. Bonjour, moi je suis Géraldine Aliberti de Sonic Solveig, donc j'avais une question parce que donc je trouve ça vraiment génial d'avoir tous ces investissements là sur les plateformes et j'avais une question parce que nous on est vraiment entre les deux en fait, entre la création de contenu à disposition des plateformes et je voulais attirer votre attention en fait ces derniers temps parce qu'en fait il y a beaucoup d'œuvres numériques immersives qui sont créées, donc en réalité augmentée, en réalité virtuelle, qui vont alimenter les métaverses et les autres plateformes. En fait, tout ce qui est créé dans la musique n'a pas de guichet. C'est-à-dire, on a le CNC, mais le CNC, en fait, pointe du nez que, en fait, les contenus ne sont pas assez
axé cinématographie et trois axés musique. Donc, et comme dans le, au CNC, en fait, les différentes commissions, eh ben, en fait, il y a par exemple YouTube qui participe parce qu'ils vont récupérer des contenus qui vont aller sur leur plateforme. Est-ce que ce serait pas... enfin, ma question, c'est est-ce que le CNM a commencé des discussions avec le CNC pour pouvoir, en fait, créer les contenus qui vont alimenter toutes les plateformes que vous allez financer ? Ah, c'est une excellente question. C'est une excellente question parce que, effectivement, les projets dans le champ de la réalité virtuelle ou du métavers, on va, nous, l'établissement, les soutenir à travers notre aide à l'innovation, qui est une aide en fait plutôt tournée vers l'entreprise dans sa logique, dans son modèle économique, et moins tournée vers le contenu créatif en lui-même. Donc c'est un vrai champ de réflexion pour nous. On a lancé dans le cadre de la crise et des mesures exceptionnelles que nous avons initiées un dispositif qui s'appelait le fonds de diffusion alternative et qui avait à un moment donné où la seule manière de faire travailler des artistes était d'organiser des captations, qui avait vocation à financer des créations, des productions qui prenaient la forme finalement d'un spectacle sans public. Donc on a cette expérience, elle a soulevé pas mal de difficultés, il y a beaucoup d'enjeux, notamment autour de la question des droits, et on a engagé cette discussion avec nos amis du CNC. On a des angles d'attaque qui sont très différents, hein. Le CNC, effectivement, sa matrice de soutien, c'est le concept de l'œuvre audiovisuelle, ce qui n'est pas notre cas. Donc on a la faiblesse de penser qu'on a une marge de manœuvre qui est plus grande et qu'on a une capacité à épouser ces innovations, ces nouvelles formes qui est peut-être plus souple que celle du CNC. Mais aujourd'hui, tout ceci est à l'état de réflexion. On va organiser dans les prochains mois une concertation sur la suite que nous souhaitons donner à ce dispositif de la diffusion alternative. Et il faut, je vous rejoins complètement, qu'on intègre dans cette réflexion, dans cette concertation, la question du soutien à ces contenus en réalité virtuelle, dans le métavers, qui aujourd'hui ne coche aucune case et que nous avons collectivement intérêt, bien sûr, à encourager, à développer et à soutenir au mieux. S'il y a d'autres questions. On va prendre une deuxième question qui est juste là, je crois. Merci. Oui, bonjour, Louis Cacciottolo, Vroom. J'ai une question à poser. Alors, nous sommes... Nous bénéficions déjà avec mon entreprise d'aide des institutions, des banques, etc. Donc on n'est absolument pas à plaindre. Et par contre, il arrive parfois, et ce n'est pas une critique, mais c'est vraiment une réalité, que lorsque nous postulons ou nous soumettons des projets, on parle d'innovation. Et quand on parle d'innovation, on parle souvent d'urgence. Et on observe qu'entre le moment où on soumet une demande et le moment où on a les résultats, et souvent il y a énormément de délais en plus là, qui s'accumulent récemment, en fait, à la limite, quand les aides arrivent, c'est déjà presque trop tard. Donc c'était ça un peu, alors je comprends qu'il y a une énorme synergie, qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour l'instant, mais qu'est-ce que vous pensez, enfin, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez vraiment très conscience par rapport à cette urgence de l'innovation, et comment est-ce qu'on peut accélérer les choses ? Oui, merci beaucoup. Je comprends tout à fait votre point de vue. En même temps, si on se replace, si on se remet à la place de l'État, on va très très vite en réalité sur ces dispositifs-là. Moi, je trouve qu'on va même extrêmement vite. Et c'est pour ça qu'on a mis en place une organisation dédiée. Je vous fais l'économie des détails, mais en réalité, on court-circuite un certain nombre de procédures pour arriver à activer les cahiers des charges grâce aux opérateurs dans des délais qui ne sont pas ceux normaux de l'administration. C'est pas une réponse complète à votre question, puisque vous dites que malgré tout, pour vous, ça arrive sans doute un peu tard. Oui, on essaie d'aller encore plus vite. Le PIA 4, donc le quatrième programme des investissements d'avenir, il vient de s'ouvrir. C'est 2021-2025. Là, on est en train de se roder, même si je trouve qu'on va déjà bien vite. Mais je pense qu'on pourra aller encore plus vite pour les prochains dispositifs. Il n'en demeure pas moins que ces aides, elles sont délivrées par des comités de sélection indépendants. Et il faut bien les réunir. Il faut bien que BPI France, la Caisse instruisent les dossiers, c'est un exercice que je sais lourd, c'est de l'argent public, donc on rend des comptes hein, en termes
d'instruction des dossiers, de motivation, des refus ou d'acceptation des demandes de subvention. Donc, je ne sais pas, Maud, tu peux aller encore plus vite et Nicolas, tu traînes un peu ? Ouais, on essaye. Mais ce que je veux dire là-dessus, nous, on a bien conscience, oui, de tout ça. Ça, c'est sûr. Et c'est vraiment... On fait beaucoup de choses, on essaye de s'améliorer vraiment sur tout. Et c'est vrai que, comme le dit Elisabeth, on a lancé tout ça. Ça a été un énorme travail. Et je voudrais remercier les équipes là, qui sont présentes, toute l'équipe là, chez moi que vous pouvez rencontrer aujourd'hui, Manon, Zélia, Ludovica et Nabil, parce que c'est un énorme travail. Mais on a conscience, en effet, de ça. Je pense qu'il y a deux choses là-dessus. Il y a déjà, là, quand on parle des aides, justement, sur les appels à projets des investissements d'avenir, vous voyez, c'est des aides qui vont jusqu'à 2 millions d'euros. C'est de la sélectivité. On n'est pas sur du financement d'aide publique. Il y a différents types d'aides. Donc déjà, il faut bien aussi voir, et ça va être notre rôle aussi, de bien vous aiguiller en fonction du besoin de votre projet, hein, dans la bonne démarche et dans le bon financement. Parce qu'en effet, quand on est sur des aides de 2 millions d'euros, comprenez bien que ce n'est pas la même rapidité que si on donne un petit ticket de 5 000 ou de 10 000 euros. Ce n'est pas la même chose. Là, on n'est pas sur les mêmes ambitions. Donc évidemment, c'est normal que ça prenne plus de temps parce que déjà, il y a beaucoup de choses à regarder, hein, pour être sûr, quand on ne connaît pas une boîte, quand on n'est pas un projet, ben, ça prend du temps de bien l'instruire. Et donc là, vous avez la garantie qu'en fait, on le fait sérieusement. Et donc, évidemment, là, ça prend aussi un peu de temps, donc, quand on est sur ce niveau d'aide. Donc, c'est vrai qu'il y a deux choses qu'on peut faire. Nous, on peut évidemment améliorer encore le process d'accélération. Maintenant qu'il est mis en place, je pense qu'on va en effet être de plus en plus rapide. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi qu'il faut de votre côté anticiper. Et peut-être que c'est ce qu'on a fait, par exemple, sur expérience augmentée du spectacle vivant. On a fait 3 vagues, c'est-à-dire que c'est sur 1 an. Et donc... ça donne aussi le moyen d'un apprentissage, c'est-à-dire que ça permet en effet de répondre à des projets qui sont tout de suite matures. Donc là, on a pris les premiers et là, on a fait le mieux possible. Mais vous voyez, c'est quand même quelques mois parce qu'il faut mettre tout ça en place. Mais après, ça vous permet pour les autres d'anticiper et puis de pouvoir justement vous préparer. Et ça, sur ces appels à projets, je pense que c'est en effet c'est un apprentissage aussi qu'on fait ensemble. Mais c'est anticiper les projets. Et c'est pour ça que c'est aussi un programme d'accélération, une stratégie sur plusieurs années. Parce qu'avec la connaissance de vos projets, on va pouvoir aussi adapter les appels à projets et on va pouvoir être de plus en plus efficaces collectivement et ensemble. J'ajoute qu'on l'a déjà fait sur un certain nombre de dossiers. Dans l'idée du continuum de financement, c'est aussi une possibilité que voilà, il y a des outils qui sont plus rapides à actionner que d'autres. Alors bon, moi j'opère que des outils de crédit, donc c'est pas exactement la même chose. Mais enfin, il y a aussi du quasi-fonds propre là-dedans. C'est pas exactement la même, c'est bien sûr, c'est pas la même chose que de l'aide, quoi. Mais ça nous est arrivé, voilà, de nous coordonner sur un cas particulier, de pouvoir voilà, faire une solution de crédit structurant dans un premier temps qui permet d'avancer en attendant que se mettent en place des dispositifs de soutien. Ça fait aussi partie de l'intérêt d'avoir des organismes complémentaires et qui opèrent des outils qui sont différents. On va prendre une dernière question. Pardon, je voulais juste ajouter un petit complément s'agissant du CNM. Alors on intervient sur des niveaux qui sont plus modestes, hein, que ceux qu'évoquait Maud tout à l'heure. Mais au fond, cette question que vous posez, elle reboucle avec l'anecdote sur Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'on comprend que si la Ligue avait validé le contrat, il aurait signé au centre de formation de Caen et il aurait déjà gagné la Ligue des Champions. C'est ça la réalité. Donc ça n'a pas été le cas. Et je vous assure que tous autant que nous sommes, on est vraiment dans cette obsession de la simplification, de l'allègement, de la clarté. Maintenant, comme le disait Elisabeth, il s'agit d'argent public, il s'agit de montants considérables, il faut qu'on soit en capacité de contrôler. Et puis, j'évoque ce sujet parce qu'il nous revient régulièrement s'agissant des programmes du CNM, on utilise, et on l'assume clairement, ces dispositifs de notre côté pour recueillir des données. Et nous avons besoin de ces informations parce que si nous ne les avons pas, nous ne sommes pas en capacité d'évaluer nos dispositifs, de les défendre, y compris par l'intermédiaire du ministère au Parlement, et nous ne sommes pas capables de les ajuster, de les faire évoluer. Donc il y a de la lourdeur, on le sait, mais on fait en sorte qu'elle soit la moins contraignante, la moins pénalisante, et qu'il y ait plein de Kylian Mbappé qui signent à Caen, à Lyon et ailleurs. Voilà. Bien, on va boucler cette première table ronde qui était très, très intéressante et qui ouvre tout un champ de possibles. Il y a encore une question. Oui. Bon. –
Merci. Juste une dernière question. Donc, Gabriel de Créature de Talent. Je revenais juste sur Maud Franca qui avait une très belle phrase, je trouve, ne pas faire de la tech pour faire de la tech. Et c'est un petit peu ce que je retrouve ici, c'est qu'on se heurte à plein de questions. Après, ordre écologique, on ne va pas y revenir aussi. Un petit peu, qu'est-ce qu'on essaie de faire là? Et on oublie un petit peu l'artiste au milieu de tout ça. Je pense que les groupes, les musiciens qui sont là, qui sont certainement les clients de beaucoup dans la salle, on sent pas aussi, ne savent pas ce qu'ils doivent donner. Essayer de motiver un petit peu des groupes, des artistes, et essayer de leur montrer un petit peu les possibilités derrière ça, ça peut, je pense, être vraiment moteur pour eux, leur donner des rêves. Et qu'ils arrivent à s'en saisir, quoi. Alors, je suis désolé, c'était plutôt une ouverture. Donc, ouais, en termes de dernière question, c'est pas vraiment le mieux, mais si ouais, jamais... c'est une belle. Et puis, ça conclut bien, je pense, parce que c'est vraiment l'objectif, en fait. Hein. On est tous, alors, autour de la table, je crois qu'on a beaucoup. On est tous amateurs. On a une double de vie, donc et dans la culture et dans nos professions, et donc on est très très proche des artistes. C'est pour vous dire que. Notamment vers ces technologies immersives, ce qu'on est convaincu, etc., c'est que le public viendra quand il y aura les projets artistiques, les bons projets artistiques, c'est ça qui va faire venir le public. C'est pas du tout la technologie, même si l'immersif permet plein de choses, justement, et des nouvelles expériences. Je pense que c'est évidemment c'est l'implication et c'est la mobilisation des artistes qui va être évidemment la clé de succès de tous nos projets. Et c'est ce qu'on essaye justement sur les appels à projets là, qu'on a fait, justement, expérience augmentée du spectacle vivant. On a été vraiment, on a pris des risques, hein, parce qu'on s'est dit, on ne va pas simplement financer des solutions comme on fait d'habitude ou ce genre de choses. On va vraiment pouvoir aussi financer des projets d'artistique, mais qui sont adossés à une solution qui va permettre évidemment de tester des aspects technologiques, de faire évoluer au service des projets artistiques les technologies. C'est vraiment, vraiment cette ambition-là. Et on espère que, justement, quand on pourra publier les résultats et que les projets se seront faits, on pourra vous présenter des choses pour, justement, et c'est l'objectif, justement, donner envie à d'autres d'y aller et de pouvoir aussi avoir des modèles derrière pour savoir comment on peut financer ça et mettre en place tous ces projets. Merci pour cette intervention. Je pense qu'en effet, si on n'a pas été clair ou bon là-dessus, mea culpa. Évidemment, l'idée ici n'est pas d'opposer la tech à la création. Au contraire, on a bien dit que la tech était au service d'eux et un moyen d'eux. Et on a tous une conscience très aiguë au-delà du fait qu'en effet, on est tous passionnés par... on n'est pas là par hasard. Je pense qu'on est tous passionnés par les sujets qu'on traite et les secteurs qu'on adresse parce que ce sont des sujets qui sont passionnants, épanouissants, à l'échelle intime et individuelle, collective, cosmique, tout ce qu'on veut. Et on a une conscience très aiguë que tout ce qu'on fait, évidemment, n'existe que parce que quelque part, il y a un créateur qui a imaginé quelque chose et il n'y a pas de valeur économique, il n'y a pas de valeur symbolique, il n'y a pas de rayonnement culturel s'il n'y a pas cet acte de création au départ. Après, je pense qu'on peut se réjouir aussi, et Maud l'a redit, je pense qu'on peut se réjouir que la puissance publique ne se mêle pas directement de la création parce que... ça rappelle des mauvais souvenirs, mais sans même parler des abus et des mésusages, moi, si ça vous intéresse, j'ai plein de souvenirs très, très honteux et très, très embarrassants de grands entrepreneurs culturels qui m'ont pitché soit un film qui a eu la Palme d'Or, soit un artiste qui a vendu des millions de disques. Et en écoutant le pitch, je me disais, mais c'est nul, ça ne marchera jamais. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est bien qu'on ne soit pas trop dans la granularité par rapport à la création artistique. Notre rôle, c'est de soutenir l'écosystème, la filière, les parties prenantes, les entreprises, les entrepreneurs, mais évidemment que l'acte créateur est au cœur de tout. Cet après-midi, vous aurez le témoignage de deux artistes qui vraiment expérimentent et ont pris le risque, c'est prendre un risque aussi d'expérimenter ces nouvelles technologies lors des deux tables rondes dans l'après-midi. Je pense qu'on va conclure sur ce mot-là. Souhaitez bon appétit à tout le monde et puis rendez-vous à 14h pour la deuxième table ronde.